1 de 6 sur le développement limité. Rappelez le développement limité au voisinage de 0 à l'autre 3 de la fonction f de x. 2, on déduit le développement limité au voisinage de 0 à l'autre 3 de la fonction f de x égale à f de 2x moins f de moins 2x. 3, on déduit la limite suivante. 4, déterminer l'équation de la tangente. 5, étudier la position de f par rapport à t, qui est la tangente. Donc, on va commencer avec la première question, le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 de la fonction exponentielle. Ok, donc vas-y. Je rappelle que ce développement limité de cette fonction usuelle ou simple est à connaître par cœur. Donc, rappelle-nous notre développement limité de la fonction exponentielle. Ok, c'est bien. Donc, on passe directement à la question 2. La question 2 nous demande en déduire le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre 3 des fonctions. Donc, allons-y. Question 2. Développement limité de la fonction f de x. Et donc tu crées la fonction f de x, on va voir comment nous avons donné le développement limité. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la fonction f de x est constituée de deux fonctions du type exponentiel. Ok, donc on peut poser simplement que f1 de x est égal à expo 2x et f2 de x est égal à expo moins 2x. Mais nous, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons le développement limité de expo x. Donc, oh, ici on a expo 2x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement poser. Dans notre premier cas, on va déterminer le développement limité de celui-là. Le développement limité d'elle de f1 de x. Comment déterminer le développement limité de f1 de x? Premièrement, on va commencer par poser. Ici, on a expo 2x. On va commencer par poser. Grand x est égal à 2x dans ce cas-là. Et on sait que quand petit x et quand petit x tend vers 0, grand x tend aussi vers 0. Donc tu peux appliquer simplement, non, ça, tu vois, f1 de grand x, voilà. On a posé quoi? Grand x égale à 2x. Donc f1 de grand x sera expo grand x. Or, le développement limité de ça, ça nous donne ici, on ne fait que remplacer petit x par x. Après, 1 plus grand x plus le factoriel de 2, c'est 2. Donc ça fait 1 demi de grand x carré. Plus factoriel 3, c'est 6. 1 sixième de x exposant 3
plus la quantité, ici on a quoi? X au cube. Maintenant, toi tu as posé 2x égale à 100, donc le dépôt limité de petit x de f1 sera égal à quoi? Parce que ça il y a grand x, on va remplacer par 2x, donc ça fait 1 plus 2x plus 1 demi de 2x au carré plus 1 sixième de 2x au cube plus une quantité de 2x au cube. Donc, ici on aura le moment limité à faire 1 plus 2x. Ici, de 2 au carré, ça fait 4. 4 divisé par 2, ça fait 2 plus 2x au carré. Ici, 2 au cube, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc ici, ça fait 4 tiers plus 4 tiers de x au cube. Plus ici, x au cube, ça te donne x au cube. Donc, une quantité de 2x au cube. Puisque c'est une multiplication de quantité comme 0, on sait que 2 est positif. Donc on peut enlever juste le 2, ça ne pose pas de problème. Donc c'est comme ça qu'on fait pour celui-là. Donc tu t'inspires ça et puis tu le fais pour celui-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On peut prendre cette même forme-là. Cette fois-ci, on va remplacer x, grand x par moins 2x. Donc vas-y. Donc tu peux faire pour f de 2 de x. Donc, tu ne fais que remplacer aussi un grand x par moins 2x. Ok, donc ensuite maintenant tu dois donner le développement limité de f de x. Donc tu sais que f de x, c'est celui-là ou celui-là. Donc c'est comme si c'était f1 de x, on appelle celui-là f1 de x, moins f2 de x. Donc c'est comme si tu fais celui-là. Moins celui-là. Donc, si on refait 1 moins 1, ça fait 0. Ça moins ça, donc ça fait moins, ça fait moins. Moins, ça devient plus, donc ça fait plus ça. Donc, c'est ça. Moins, ça fait plus ça. 4, 10, on fait celui-là, moins celui-là, ça nul. Celui-là, moins, ça devient plus, donc ça fait. 2 fois ça fait 8 plus 8 c'est de x au cube et on ajoute notre quantité. Ok, donc il faut vérifier un peu pour pas le rajouter. Donc je rappelle, ici on cherchait le mouvement limité de f de x. F de x, d'abord on regarde la structure de la fonction, on voit que c'est constitué de deux fonctions exponentielles. Donc on cherche la fonction exponentielle associée aux deux. Donc puisque la question précédente, question 1, on avait déjà le mouvement limité de expo x. Donc on va remplacer petit x par grand x d'abord.
Donc, on remplace petit x par grand x. Ensuite, dans l'autre cas, dans la première fonction, grand x égale à 2x, on peut. Dans la deuxième fonction, grand x égale à moins 2x, on remplace partout ça grand x par moins 2x, ici partout ça grand x par 2x. Ensuite, après l'avoir calculé, on remplace ici en faisant la différence. Donc, ici, on n'a pas pris la peine de recopier, donc voilà les deux. Donc, ça, moins ça, ça fait 0, ça, moins ça, ça fait 4x, ça, moins ça, ça fait 0, ça, moins ça, ça fait 8, et x occupe, on ajoute notre quantité. Ok, donc on va passer à la troisième question. Troisième question, on nous demande d'en déduire la limite suivante. Limite lorsque x tend vers 0 de fx moins 4x sur x au cube. Donc allons-y. Bon, ce qu'on va faire pour se charger l'écriture, on va poser tout celui-là est égal à g de x. On va le transformer et on va revenir avec la limite. Donc, soit g de x égale à f de x, non, vas-y, non. Soit g de x est égal à f de x moins 4 ici, x au cube. Ok, on continue ça. Voilà. Donc, on connaît f de x. F de x était quoi? Alors, donc f de x, quand on a simplifié ici, tu dois t'as trouvé. Donc, tu prends tout ça, moins 4x. Non, mais j'ai dit x égale. Pas de fraction. Donc f de x c'est quoi? C'est à dire tu copies tout ça, 4x plus 8 tiers de x au cube plus ta quantité. Moins, voilà, moins 4x sur x au cube. Donc ici on voit des termes qui se simplifient. On a 4x ici. Ici, quand on finit de simplifier, on voit qu'ici il y a x au cube. X au cube. Donc on peut simplifier. Donc finalement, il sera 8 tiers de cette quantité, g de x. Ok. Donc maintenant, tu as venu calculer maintenant la limite, puisqu'on a g de x. Limite lorsque g de x tend vers 0 égale à limite lorsque x tend vers 0 de 8 tiers. Alors tu ajoutes ta quantité, on va calculer. On sait que ça, pour voisinage de 0, c'est 0. La limite d'une constante, c'est la constante elle-même. Donc la limite égale à 8 tiers. Ok, dans la fin de la question, on va passer ensuite à la quatrième question, ça va? Ok. Quatrième question. C'est pratiquement la même question avec l'autre exercice. Déterminer l'équation de la tangente. Donc, on va voir comment déterminer l'équation de la tangente à partir du développement limité de la fonction. Ok, donc lorsque on a le développement limité d'une fonction, voilà, si on a le développement limité d'une fonction et nous cherchons l'équation de la tangente,
Il suffit de prendre le développement limité de la fonction à l'autre 1. Donc, tu vas appeler le développement limité. On sait que del de f est comme ça. On a calculé la question 2. On sait que del de f est égal, tu rappelles. Ok, ça c'est le DL. Maintenant, pour donner la tangente, on prend simplement la partie du mouvement limité, la partie entière, mais on s'arrête à l'ordre 1. Dans l'ordre 1 ici, c'est quoi? L'ordre est donné par la puissance du x. Donc ici, c'est puissance combien? 1. Dans l'ordre 1, s'arrête ici. Donc tu as posé que l'équation de la tangente y est égale à quoi? 4x. Donc, à chaque fois qu'on veut donner l'équation de la tangente, lorsqu'on a un développement limité, on prend juste le développement limité à l'ordre 1. Ok, c'est tout. On passe à la cinquième question. Donc, question 5. On dit étudier la position de CF, c'est-à-dire la courbe de C, de F, par rapport à T, T qui est la tangente. On sait que lorsqu'on veut étudier la position relative de deux courbes, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la différence. Et si c'est en fonction du signe, on va en déduire. Voilà. Maintenant, on doit prendre f de x et on va faire f de x moins la tangente. Voilà. Tu as mis simplement étude du signe de f de x moins y. C'est le signe qui va nous permettre de dire si c'est au-dessus, en dessous ou la tangente coupe la fonction. Étude du signe de 2 points, c'est f de x moins la tangente. C'est les deux courbes. On a la courbe f et on a la tangente. Voilà. Donc c'est le signe de f de x moins y qui nous dit si f de x est au-dessus de la tangente ou en dessous ou bien la tangente coupe la courbe. Donc tu vas prendre f de x, on rappelle pas f de x ici. Tu prends le demande limité. Donc f de x moins y égale f de x moins y égale à quoi? Maintenant, on peut s'arrêter là où on veut. Mais les tests sont que quand on va faire la différence de f de x moins y, on ne trouve pas 0. On va avoir toujours un x à l'intérieur. Sachant que y, c'est f de x à l'autre 1, pour prendre f de x, on va avancer des notes. Donc on va prendre ça. Donc on va faire cette partie-là, moins cette partie. Donc toi, tu peux recopier tout. On ne gère pas pour f de x. 4x plus 8, c'est x au cube. Simplifie maintenant. Dans les 4 x, on s'est annulé, il va rester 8 et x au cube. Ok. Puisque c'est la position relative, on dit la position relative. Donc c'est par rapport au point. Donc on sait qu'en x0, ça fait 0. Donc on peut juste mettre ici, celui-là, c'est simplifié avec celui-là. Donc il reste ça. Donc on peut juste recopier celui-là. Puisque c'est au point 0, ça donne 0. Donc, c'est l'étude de ça là, l'étude de ce signe. Mais on sait que ça là, c'est défini dans quoi? Ici, le domaine de définition, c'est R. C'est une fonction polynôme, défini dans R. Or, quand c'est dans R, ici, c'est quoi? C'est impair. Voilà, on sait que quand je vais prendre R, R c'est de moins l'infini à plus l'infini. Donc, tu as trouvé quelque chose de impair, puissance impair. À chaque valeur négative, ça va sortir une valeur négative. Mais à chaque valeur positive, ça sera toujours positif. Donc, de 0 à plus infini, ça sera toujours positif. Maintenant, de moins l'infini à 0, pour les nombres pairs, ça sera, on appelle ça comme les nombres pairs, ça sera, si je prends moins 2 ici, pour les nombres négatifs, ça sera toujours négatif. Voilà. Donc là,
tu vas juste mettre de 0 à plus, de moins infini à 0. Si par exemple tu mets moins 1 ici, ça fait moins. Donc de moins infini à 0. Tu vas mettre plus que la puissance est impaire. Plus qu'on trouve une fonction impaire, là. Plus qu'on trouve une fonction impaire. Puisqu'on trouve une fonction impaire, on va faire comme étude ici. Allez. Quel que soit x appartenant à R moins, c'est-à-dire de moins l'infini à 0, cette fonction, on n'aura pas f de x moins y sera pas inférieur à 0. Maintenant, quel que soit x appartenant à r plus c'est quoi? C'est de 0 à plus l'infini. Donc ici, on aura f de x moins y sera supérieur à 0. Et lorsque c'est négatif, le rapport négatif, c'est-à-dire la courbe CF est en dessous de T. Si c'est positif, la courbe CF est au-dessus de T. Alors, donc c'est un peu ça. Donc l'exercice est fini.